Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver mesdames et messieurs pour votre émission Tout savoir, tout entendre sur l'actualité musicale et artistique qui nous entoure. Ici même à Paris, des news, en veux-tu en voilà. Dédé Saint-Prix avant vent 26 ans après l'espace V du côté de Villepinte et ce pour une opération banlieue bleue. Nous y étions, reportage et on se retrouve juste après pour boucler. A tout de suite. Est-ce que c'est la peine de vous rappeler que ça fait 26 ans que ce groupe était revenu à Paris? C'était la peine? Depuis 26 ans, donc c'est un beau retour, j'espère. Merci. Soniama, la Soso. Soniama, la Soso. Soniama, la Soso. Jamali. Ah ouais, ouais. Jamali. Maître Chacha, entre deux, entre deux. Entre les améliorés. Le maître Chacha, Rudita Germani. Eh bien, de toute façon, toutes les opérations qui consistent à faire la diffusion de notre patrimoine musical, bien, ce sont des opérations à encourager. Et, bon, au niveau de la région, on est en train de mettre en place tout un programme pour la diffusion des artistes martiniquais à l'extérieur, puisque leur grande souffrance, c'est de ne pas avoir suffisamment d'espace de diffusion. Donc, quand des festivals comme Banlieue Bleue rendre hommage à notre musique, eh bien, nous nous devons d'être présents. C'est pour ça que j'ai tenu à l'occasion de ce spectacle de venir soutenir les artistes. Et puis c'est les retrouvailles avec Avant-Vent, des dessins pris, la Soso. Donc ce sont des souvenirs et on voit combien les chansons de Dédé Saint-Prix et cette musique qu'il a instituée, le Chouvalbois moderne, combien c'est d'actualité et combien les artistes sont très avant-gardistes. Et si on prend le temps de les écouter, ce sont aussi de très bons sociologues que nous, politiques, devons entendre pour anticiper les projets futurs des générations à venir. Forcément, Dédé Saint-Prix, c'est la Martinique, il respire la Martinique et on peut dire que Dédé Saint-Prix, quand il est sur scène, il invite à aller voir comment fonctionnent les Martiniquais. C'est toute l'âme de la Martinique qu'il véhicule dans sa musique, dans ses attitudes, dans ses onomatopées, dans sa manière de bouger, de danser, son geste. Donc au niveau du tourisme, c'est l'un de nos ambassadeurs qu'on bichonne et qui bichonne son pays. Donc, et la question que vous posez, c'est quelle relation on peut faire entre culture et tourisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis présidente de la commission culture patrimoine, mais je suis aussi membre du conseil d'administration du comité martiniquais du tourisme. Et Karine Ouakami, qui préside le comité, est membre de la commission culture. Donc le président Letchimi a voulu de cette transversalité pour qu'on ne pense plus chacun de son côté, mais qu'on pense un projet global pour le bien de notre territoire et un projet qui allie culture et économie. Un bilan plus que positif ce soir à Banlieue Bleue avec Dédé Saint-Prix. On peut dire un bilan plus que positif parce que quand on voit un public qui reste et qui connaît le répertoire et qui demande ce répertoire, bien nous on ne peut qu'apprécier et voir comment on peut encourager un artiste comme Dédé Saint-Prix. Le rap n'est pas pour la mort, le bon savant pour mort, c'est mis.
tout tout ta tête bon 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 bon. Alors je dois dire qu'en ce moment même, par le truchement d'une convention qu'on a signée avec la Fondation des Alliances Françaises, nous avons en même temps Valérie Lourie qui est partie depuis le début du mois de mars dans une tournée dans 12 pays d'Amérique centrale et latine et qui va se terminer par le Chili. Donc c'est cette dynamique-là qu'on veut lancer, une dynamique de conquête et de reconquête des scènes du monde pour permettre à nos artistes d'avoir des espaces économiques de vie, parce que c'est un sacrifice que de se consacrer à l'art. Ce n'est pas toujours évident, mais quand un artiste se sacrifie et véhicule l'image de sa culture, bien on se doit de l'accompagner. À toutes les BDD, c'est toujours le pied. Depuis l'année en cas suivi, c'est beaucoup moi-même et c'est force PIA, c'est comme on a dit, c'est racine PIA, c'est l'ambassadeur du Chouvalbois qui le tire l'eau et l'eau. Aïe chercher, bien loin. Très 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 bien. Super. Bonne chorégraphie, ouais. Tout ce qui plu. L'ambiance, les enfants qui ont fait leur petit spectacle, c'était favorable pour les jeunes. J'ai apprécié beaucoup. Et ensuite, ça enchaînait par le groupe qui a joué, les Dessins Pris. Donc, ça a été super. C'était fantastique, c'est vrai, comme d'habitude à chaque fois qu'on voit de la musique antillaise et caribéenne. Malheureusement, on n'en voit pas assez à Paris, en métropole en général, je pense. Quoi. Eh ben, très bien, super. Pardon ? Qu'est-ce qui vous a plu ? Eh ben, tout m'a plu. Les Dessins Pris, vous aimez beaucoup ? Ah ben oui, je suis du François comme des Dessins Pris. Ouais. Voilà. Vous aimez sa musique ? Beaucoup. Et j'ai aussi mon beau-frère qui joue avec lui. Alors donc, je suis doublement contente. Formidable, formidable, vraiment, il était au top des tops. Qu'est-ce qui t'a plu ? Ah, j'ai beaucoup plu, tous les morceaux qu'il a pu jouer, j'ai pris mon pied. Ah ouais, j'ai dansé en même temps, vraiment c'était chouette. Petit spectacle là, il huile. Il est bon papa, il est bon. Madame l'a parlé, moi pas ça pour moi dire. Mais Dédé, même moi découvert Dédé en Haïti, mais moi en Haïti, on connaît moi bien. Donc moi découvert Dédé en Haïti et Dédé, la Dédé à moi d'elle. Exceptionnel. Ah, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a plu ? Mon père. À votre père ? Oui, il est parti de Gaumont et c'est l'un des tambouillés.
C'est beau de voir une jeunesse qui s'intéresse à la musique traditionnelle. Ben, j'ai été élevé avec ça dans mon sang, donc voilà, c'est resté. Et dès que j'ai l'occasion, voilà, je suis venu. J'oublie les grands frères. Alors, qui m'en est bien passé là pour vous autres aussi? Moi, ça t'est grave. C'était un moment d'échange, de communion avec le public. C'était très beau ce soir. On travaille entre nous en plus. Ouais. Et puis, bon, ça nous fait chaud au cœur d'être parmi le public français. Et puis, bon, on a un copain qui est hospitalisé. Donc, je lui ai donné la force. Quoi. J'ai fait écouter le morceau en entier pendant sous son lit d'hôpital. Donc, il était super content. Et voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Vous partez demain, qu'est-ce qui va se passer? Une partie part demain, une partie part dimanche, une partie part... On est éparpillés, quoi. Voilà. La rivière descend en Savana. 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 La rivière de son savana, la rivière de son savana. Eh bien, Bagala était à 160 depuis au démarrage, il finit à 145. Alors, qui veut dire, nous prenons en manière publique la prenne là. Mais pour l'instant, rien à dire, nous venons dans plaisir, et puis c'est la joie, la gaieté, et puis quand Dieu a dit à Kainou, c'est quoi tirer, ou quoi suyer, ou quoi virer, mettre de temps en temps. C'est bon. Aïe, une jeune femme. C'est quoi tu dis ça? C'est très bien. Très, très, très bien. J'adore la chaleur. C'est sucré, hein. Frère, ben là, à tout et à tout et à tout et en zone où il n'y a pas quand même outé, ben là, regardez, ça à fond la caisse. Musique la belle et puis c'est tout. C'est l'amour nous qu'a partagé à la musique là. J'ai senti le public très près de vous. Nous en France, même, retrouver le public là, c'est chaud, il était bien. Hein? Ah ouais, très très chaud. Et ça bon, il y a une belle convivialité, une belle communication et puis nous-mêmes. C'est intéressant, belle bagaille là. Quand on va jouer tambour très bien, c'est un instrument difficile à jouer ou pas, à manier? Je ne veux pas dire que c'est un instrument qui n'est pas difficile, mais qui a un certain caractère. Voilà. Mais sinon, c'est un instrument adorable. Le roca joué, de pourquoi maîtriser, on s'en fout. Saint Pouy, ça fait 26 ans qu'avant on n'a pas joué sur une scène parisienne. Faites revenir en banlieue bleue. Quelle émotion, qu'est-ce que tu as trouvé sur ça? Impression, c'est qu'il y a une reconnaissance par-delà des mers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'océan qui sépare. Il n'y a pas d'océan qui nous sépare, ce qui veut dire que avion ça fait à présent. Donc ils sont venus juste pour un concert ici et ils repartent. C'est très rare, mais nous faillit quand même. Grâce à Banlieue Bleue, grâce au comité martiniquais du tourisme qui donne un bel coup de main, le CMT, et puis public là aussi qui donne une belle force. Et puis tu as vu le travail qu'il fait avec les élèves et tout ça. Moi, je trouve que c'est une bonne chose de montrer à partir de rien du tout. Parce que tu as vu, avec un manche à balai,
une baguette de batterie, des choses qu'on a pu faire avec les 150 élèves, on a pu faire un spectacle. On en a d'autres encore qu'on va faire. Et on va s'éclater. Il y a Bobigny qui va arriver bientôt. Il y a plusieurs écoles là, tu as eu au moins 6 écoles. Écoles. Bobigny, Clichy-sous-Bois. Clichy-sous-Bois, Villepinte. Oui. Voilà, il y a plein d'écoles. Et à Bobigny, vous allez faire quoi avec ça? À Bobigny, on va le faire, mais plus. Il n'y aura pas avant-vent, donc on sera plus à l'aise pour faire tout ce qu'on veut. On aura la scène pour nous. Pas content, donc. Et vous l'avez gâté là ce soir, l'idée. Voilà, c'était une belle soirée, une belle reprise. C'est pas moi qui faisais le remerciement, mais c'est pas grave. Non, mais... Il y avait une feuille avec tous les noms. On a oublié la voisine, on a oublié, mais c'est pas grave. Non, c'est... Alors on aurait pu danser, je peux dire. Échange de bons procédés, on va dire. Très bien, ça vous a plu le spectacle, au fait? Très très bien, et j'ai beaucoup aimé les ateliers avec les enfants. Je trouvais vraiment qu'ils étaient... ils étaient bien dedans, ça crée un beau mouvement, je trouvais ça très intéressant, très très bien. Ah oui, super, hein. Oui, c'est très très bien, c'est une fan des dessins, oui. Ah, hein, je suis des Antilles, ouais, de la Guadeloupe. Donc vous êtes maire de Maire de Villepinte et conseillère générale. Très bien, enchanté. Donc, en gros, les banlieues bleues, on peut dire, c'est une bonne opération. C'est une bonne opération, sur la vie depuis que je suis revenue, depuis que je suis maire, banlieue bleue est revenue à Villepinte. Voilà. Lydie, tu es gâté ce soir. Le directeur de banlieue bleue. Comment? Le directeur Xavier, le maître de banlieue bleue. C'est lui, c'est ce genre. Merci Dédé. Il s'est parlé. C'était formidable parce que c'est Dédé, d'abord, c'est quelqu'un qui est venu à banlieue bleue il y a 15 ans, à peu près. Mais là, c'était un moment quand même très spécial avec ce retour d'avant-vent qui est vraiment nickel, hein, comme si c'était hier. C'est vraiment impressionnant et j'espère qu'avant-vent va continuer à aller de l'avant encore. Merci. Et merci beaucoup. La joie de vivre et la vie société qu'elle nous fondait il panit bien longtemps. Nous carrerons, nous caramiser nous. Si nous voulons, nous voulons. Si nous jambes, nous jambes. La joie de vivre c'est la société qu'elle nous fondait il panit bien longtemps. Nous cabrons, nous amusez nous. Si nous boulez, nous boulez. Si nous jambez, nous jambez. Nous sommes heureux, mais tu sais, tu vois, il y a des... C'est pour quand tu as vu, on a oublié de citer Villepinte, on a oublié de citer le collège Lavoisier. Bon, voilà quoi, ça m'est arrivé d'oublier de présenter des musiciens sur scène des fois, tu imagines? Et ça peut arriver, mais bon, voilà.
que heureux ce soir, je constate. Ben, je suis très 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 heureux, surtout qu'on a une reconnaissance du groupe Avant-Vent, mais une reconnaissance qui ne vient pas de la Martinique seulement, quoi. C'est surtout ça. Ça veut dire qu'Avant-Vent rayonne, et c'est très bien pour nous. 26 ans. 26 ans après Avant-Vent. Ouais. Extraordinaire. Oui, et puis bon, moi je préfère les avis des autres gens parce que bon, moi je mène ma vie, ma carrière solo en même temps. Je ne joue pas qu'avec Avant-Vent, donc j'ai ma carrière solo et tout ça. Donc voilà, ça avance, ça marche, mais Avant-Vent, ça devient un label finalement. Quittez les messages ou bah, les internautes, téléantilles.com, Facebook et puis aussi Zouk Télévision Martinique, Éclair Télévision Guadeloupe et puis aussi ACI Paris. Ah, mais tout le monde qui t'a écouté, tout le monde qui t'a regardé, tout le monde qui t'a suivi, ma radio, on nous toujours encouragé, tradition nous, le monde qui t'a aidé, aidé pays, le monde qui t'a fait bagaille, bas pays, on nous. Toujours encourager mon café bagaille. C'est pas parce que mon n'a pas ni talent, mais mon n'a pas et puis dit et en nous coûter quoi. C'est pas rien qui est gros seulement qui pour manger. Faut que tout le monde mange. Okay. Dédé, tu es accessible ou bon, on peut te contacter? Mais toi-même, tu sais. Attends. Des fois, je donne mon téléphone à la radio, il y a des gens qui trouvent ça fort. Non, il n'y a pas de souci. Mais... Eh ben, nous, téléphone. Hein? Nous, téléphone. 06 07 27 44 deux fois. Outon. Alors, Dédé, qu'est-ce qui va se passer après, donc, banlieue bleue pour toi à Villepinte? Après banlieue bleue continue, hein, c'est-à-dire que moi j'ai des ateliers encore, j'ai des spectacles encore avec les enfants, j'ai des ateliers encore qui vont démarrer à Saint-Gratien dans le 95, des concerts à Saint-Gratien, enfin bon, il y a plein de choses, mais bon, j'ai pas tout en tête là, mais voilà, le calendrier il est bien, l'agenda il est bien rempli quand même. Montrer aux gens qui est qui, parce que notre histoire s'écrit à travers notre musique aussi, monsieur. Monsieur, je peux vous dire, cher ami, ce monsieur c'est un chanteur, un grand chanteur après l'Éternel. Je l'ai connu depuis le Perfecta, depuis mon Dieu Robert. Et ce monsieur l'a chanté avec le Gentleman. Il y a un petit truc que j'aime, qui est juste un petit bout, il s'appelle Jojo Liz. Monsieur, c'est papa Ralph Tamar, comment je respecte vous. Si vous n'êtes pas au courant, mais mon cas disons ça. Alors écoute. Salam alaikum. Alaikum salam. Qui est à la basse? Philippe Biodi est à la basse. C'est quoi ça? Donc nous avons vécu des moments historiques. Philippe Biodi est à la basse, c'est le gentleman aussi. Donc c'est des moments historiques qu'il a. Historique, histoire martinique qu'il a. Voilà, c'est important. Non. Mais ça passe super bien, comme toujours, depuis avant un côté de la Garde des Jeux. Il y a eu beaucoup d'émotions ce soir. Oui, beaucoup. Tu as constaté ça? Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Là, on va rentrer au pays et puis on va préparer d'autres concerts. Thank you.
Ah, très bien. Très bien. La musique, déjà, on était bien en place, on était bien en forme, bien ensemble. Mais le public est extraordinaire. Et puis l'accueil ici, l'accueil de l'organisation de Banlieue Bleue, vraiment grand accueil. On nous a reçus comme un grand groupe. C'est là, voilà. Et là, j'ai reçu des fleurs de Madame le maire de la ville de Villepinte. Ça belle, ça. Voilà. Oh, alors, il est important ce cadeau, ce geste pour les artistes, le bouquet de fleurs. Ah oui, c'est agréable. En fin de concert, c'est un remerciement, c'est un petit geste d'amitié aussi sur nos artistes, c'est important. Bien. Soso, alors, quittez les messages ou les téléspectateurs. Nous allons venir encore. Nous allons venir dans notre plus grande salle, plus préparée encore, et puis notre musique, nous allons venir encore. Super, c'est bien, hein? C'est le renouveau aussi. Donc, ma liberté, qu'a pleuré, mes femmes, qu'a accordé, yo. Qu'a quitté, madame, yo, sans manger pour yo, en forme ménage. Que femmes, l'on qui s'assomme, donc, ma yé, pas ni volonté. Je demande ça, yo, bisouin, ou yo, bon, yé, ou à la mamme. Donc, ma liberté, qu'a pleuré, mes femmes, qu'a accordé, yo. Qu'a quitté, madame, yo, sans manger pour yo, en forme ménage. Que femmes, l'on qui s'assomme, donc, ma yé, pas ni volonté. Je demande ça, yo, bisouin, ou yo, bon, yé, ou à la mamme. Pour que pas yo l'argent, pour que pas yo dollar, pas yo ma clarisson, tout pas changer mentalité ou là, tout pas changer mentalité ou là, tout pas changer mentalité ou là, dido dada, digi digi do, digi dido, dido dada, digi dido, dada. Voilà, voilà, mesdames et messieurs, c'est terminé pour votre émission. Bal fini, violon dans sac, Dédé Saint-Brie. Bal fini, violon dans sac, et puis après, bal tambour à Pilou. Dédé Saint-Brie, on peut le dire, ça y est, tous les moments, là, ça a rangé matériel, là, ça finit. Nous passons quand même un bel petit moment, et puis, un bel petit moment, et puis, avant-vent, et puis, un bel petit moment, ici, petit moment, là, m'a présenté, là, un bel travail, et puis, donc, je remercie tout le monde qui mettait la main pour sa fête. Je remercie le comité Martinique du tourisme, je remercie Banlieue Bleue, je remercie le commissariat des Outre-mer, tout ça, monde qui mettait l'argent, la ville de Villepinte, tout le monde qui aidait nous pour ça, t'es fait, quoi. J'ai constaté avant-vent, mais c'est terrible, 26 ans après, c'est une grosse machine. À quand des dessins pris au Zénith de Paris? Ah ben, je m'en demande, c'est organisateur, si vous voulez, tester pour gagner l'argent, yo, parce que moi, c'est ça, je m'en demande pour vous. Ben, nous, on a une chance. Fait un zénith et puis y a quelqu'un ce que ça veut dire avant au zénith. Voilà, moi pas organisateur, moi pas dit que moi quand entrer dans business comme ça, mais moi toujours quand c'est des dessins pris musiciens, comprends. Émission dans la gare passant les téléantilles.com, Facebook aussi, les amis de Facebook, et puis aussi Zouk Télévision, Éclair, et puis aussi ACI Paris qui t'es qui message jour des dessins pris ça qui partait là attend l'oubli bagaille. Ça qui partait là ça arrive yo, mais en même temps ni des monde qu'on sorte qui fait des relais ni d'autres télé, d'autres journalistes qui fait des travail. Donc moi quand dit encourager tout le monde qui a fait bagarre dans la communauté, encourager les gens qui a fait bagarre, même si vous n'êtes pas connu, allez regarder, parce que peut-être les gens qui n'est pas connu, peut-être c'est lui qui est star demain. Donc voilà, il ne faut pas nous rater à rien non plus. Il faut nous aider les gens qui ont fait bagarre. Merci Dédé Saint-Brie, je te trouve ému et puis en même temps heureux, fatigué aussi. Oui, c'est normal, sans belle fatigue. Sans belle fatigue, c'est le travail qu'il a. Et puis, ils savent que nous allons continuer. Bon, mon travail avec Saint-Gratien bientôt. Et puis, des chorales, Timama et Grand Monde. C'est une belle baraque qui est faite encore. Nous, on est frère Dodo qui vient bientôt d'Haïti. Des troubadours d'Haïti qui viennent pour la première fois à Paris. Donc, au temps de ça, mon vieux crio pour suivre ça. Parce que c'est des moments qui ont vraiment besoin d'aide. Nous allons essayer de faire en bas. Et puis, le théâtre Antoine Vitesse de.
d'Ivry-sur-Seine, c'est eux qui pour tout mettre et puis moi pour pas être à fête. Et puis nous avons essayé de garder pour nous faire de collecte pour moi la pyramide des bagailles quoi, des savons, lettres, denrées qui pas périssable, des bagailles. En plus, c'est l'argent qui est parti. Est-ce que vous avez la vie en France là? Puisque quand fait, il m'a tout le blouson, quand fait, il m'a fait, où la vie en France? Moi, je fais un travail. Moi, je fais un travail. Non, moi, je suis capable de protéger comme moi, quand fait fret, vous savez. Mais la vie, c'est la vie d'une manière générale, comme moi, mais ce n'est pas la vie en France. Parce que, quelque chose à côté, moi, il y a mon bien. Bon, moi, en Belgique, moi, en Équateur, moi, en Bolivie, pas en Bolivie, moi, en Colombie. Bientôt, nous pouvons faire en l'école à Toronto, au Canada, ni en l'Obaï qui est fait. Mais moi pour le café bruit, moi pas pour le café vous accordez. Ibel, émission bout, émission finie, qu'un bel pas mon début. Merci Dédé, et puis ne change pas. Ouais. Et tu as toujours la pêche. Hein. J'ai été ému ce soir, au bas bon musique, 26 ans après, avant les moments là, l'espace Véville Pinte nous passait un bel petit moment. Ouais, ça c'est des grands moments. Puis je me rappelle que c'est et puis c'est organisateur qui mettait quoi au combat pour nous faire belle bagaille quoi. Pas oublier les moments là, invité des dessins pour moi. J'ai été séduit ce soir. Moi, j'espère que toute image là, ces images vont tourner un peu à travers le monde, sur Internet, partout. Tu es disponible, on peut t'inviter des dessins pour moi. Moi, toujours disponible. Tout le monde qui crie moins, toujours joindre moins. Donc. Et téléphone moins, pas jamais changé. 0607 27 44 44. 0607 27 44 44. 27 44 44. Kabiret Pamouli, force et puis courage. Salut. Nous qu'à marcher les sentiments nous. 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 Oui, nous qu'à marcher les sentiments nous.